à la fin, ils étaient presque tous dans les bois. Ils sortaient pas des bois. Pas beaucoup. C'était dangereux. Et dans un autre témoignage, on a les tortures qu'il a eues, qu'il a subies. Et ma fille, quand elle a lu ce témoignage, elle en a pleuré. C'est vraiment des tortures, c'est inimaginable. On a un témoignage de première main, puisqu'il y avait une jeune femme qui avait 18 ans, donc, qui s'appelait mademoiselle Marie-Rose Frère, dont les parents étaient commerçants sur la place Ferdinand à Vona, donc elle était au cœur du spectacle, si on peut dire. Et donc, elle a vu ces troupes allemandes stationnées sur la place, toutes les femmes et les enfants du village et les vieillards rassemblés sur la place, avec une incertitude sur ce qu'ils allaient devenir. Nous étions à jouer sur ce tas de sable et ma grand-mère arrivant vers nous, tout de noir vêtu, et nous disant « Mes enfants, vous n'avez plus de père. » Moi, je me limiterai à vous dire que j'ai été marqué par cette milice. Nous ont mis tenus en respect contre un mur. Enfin, nous étions alignés, ma grand-mère, mon grand-père et moi, contre le mur. C'était pas seulement les Allemands, madame. C'était pas seulement les Allemands. C'était les Français. Mais j'ose pas dire. Ben, qui étaient pétainistes, par exemple. Ils ont été emmenés derrière le cimetière. Ils les ont fait se mettre contre un mur. Ils voulaient les mettre visage contre le mur, mais ils ont refusé. Ils ont donc été mis face à face. Et de là, presque à bout portant, ils leur ont tiré dans la tête. Et on est tous descendus sur la route. Tous. Et là, c'était la joie. Tout le monde était dans la liesse. Et moi, je pleurais sur le chemin à Crotay. Je pleurais mon père.